Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de cette édition d'Un monde à l'envers du 26 décembre 2019, 8h-18h du Québec. Heureux de vous retrouver à tous et toutes. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié, comme celui-là qu'on va aller voir et qui nous permet de réfléchir un peu sur ces idées conspirationnistes, hein, qu'on voit beaucoup qui ont vu le jour, hein, dans les années 80-90 avec cette idée de dépopulation. Je sais pas d'où c'est parti cette idée-là. Qui l'a engendré, mais sûrement un esprit dérangé. Quand tu regardes ce qui se passe vraiment, l'humain, hein, n'a pas arrêté de voir son espérance de vie augmenter. D'abord, grâce aux connaissances, hein, qu'on a sur le corps, sur la santé, sur l'alimentation, sur l'importance de l'exercice, de vivre sainement, et ainsi de suite. La médecine a aidé aussi. Moi, je suis entouré de personnes âgées, je travaille dans le public. Ma mère a eu des foyers de personnes âgées pendant longtemps. J'ai vu les vieux des années 80, hein, quand j'avais une quinzaine d'années, les vieux des années 70 aussi, quand j'étais dans la dizaine, la première dizaine, et j'ai vu l'état de santé s'améliorer, les conditions s'améliorer, et les gens vivent de plus en plus longtemps grâce aussi à la pharmacie, hein, la pharmacologie, grâce à la médecine, dans des opérations, des interventions chirurgicales qui n'étaient pas possibles avant. L'espérance de vie monter, 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 et de voir de plus en plus de gens vieillir, hein, des nouvelles générations de vieux arriver qui ont été conscients un peu plus de l'exercice, de l'alimentation, et ainsi de suite, qui arrivent à l'âge des gens que j'ai vus vieux dans les années 70 et des années 80, et être vraiment plus en forme que ces gens-là, et probablement vivront plus vieux et plus en forme que ces gens-là. C'est assez spectaculaire. Donc, toute cette idée de dépopulation, même chose en Afrique, on a vu l'augmentation de l'espérance de vie, la diminution de la mortalité infantile, et c'est partout pareil. Donc, cette idée de dépopulation, elle a un problème vraiment dans son cœur même de propagande et de son existence. Je ne sais pas comment ça peut encore tenir la route. Une étude publiée dans Scientific Reports de la revue Nature, rapportant les efforts d'une équipe de chercheurs qui a observé en détail comment la durée de vie est écrite au cœur de l'ADN du vivant, explique que l'espérance de vie de l'humain, sans intervention extérieure, ni progrès médicaux et sociaux, est naturellement de 38 ans. L'espérance de vie dans l'ADN pour aider à la protection des espèces. Benjamin Mayne, l'auteur principal biologiste moléculaire et bioinformaticien, explique sur The Conversation que si la compréhension du processus de vieillissement est très importante dans la recherche sur l'écologie et la biomédecine, la science en savait très peu sur l'espérance de vie du vivant où des différences considérables sont constatées. Qu'est-ce qui, par exemple, définit que le gobie-nain est un petit poisson vivant 8 semaines, tandis que des spécimens de requins du Groenland ont vécu déjà plus de 400 ans. Connaître l'espérance de vie des animaux sauvages est fondamentale pour la gestion de la vie sauvage et sa protection pour les espèces menacées. Elle peut être utilisée pour comprendre quelles populations sont viables dans l'industrie comme celle de la pêche. Elle peut être utilisée pour déterminer les restrictions selon les modèles de la population ou de population de poissons. Les chercheurs ont donc développé des horloges à ADN afin de déterminer à quel rythme se produit chez un animal un changement au cœur de l'ADN nommé le méthylation. Méthylation est un mot active des fonctions de gène. En un mot, pardon, active des fonctions de gène auxquelles le vieillissement peut être lié. Ainsi, en utilisant 252 génomes complets de vertébrés, les chercheurs ont isolé 42 gènes dans lesquels le méthylation intervient et en les comparant avec d'autres bases de données recueillant des espérances de vie connues d'espèces, les chercheurs ont pu comparer l'espérance de vie inscrite dans l'ADN des espèces et l'espérance de vie affective. Ainsi, l'équipe de chercheurs a pu déterminer que l'espérance de vie de la baleine boréale, connue pour être le mammifère vivant le plus longtemps, est de 268 ans, soit 57 de plus que l'âge du plus vieux spécimen de l'espèce. De même, la tortue géante de l'île Pinta a une espérance de vie de 120 ans. Le dernier spécimen de l'espèce est décédé en 2012 à l'âge de 112 ans. L'espérance de vie naturelle des humains est ainsi de 38 ans. Les chercheurs expliquent la différence. Les humains d'aujourd'hui semblent être une exception dans cette étude du fait des avancées dans la médecine et les conditions de vie qui ont étendu l'espérance de vie moyenne.
Maine espère avec cette étude pouvoir contribuer à une meilleure protection des espèces, tandis que davantage de scientifiques assemblent le génome d'autres animaux. Notre méthode prouve que leur espérance de vie est prête à être estimée. Cela a un poids considérable pour l'écologie et la conservation de nombreuses espèces qui ont besoin d'une meilleure gestion de la vie sauvage. Vraiment intéressant. Puis je peux vous dire une chose, c'est dur de continuer à propager l'idée d'une dépopulation dans tout ça. Mais enfin, que voulez-vous? C'est ça le monde de l'environnement et de l'univers des réseaux sociaux.